Eh bien salut à tous, c'est Higuette et on se retrouve pour un nouvel épisode de Paper Mario Color Splash. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va très bien. Je suis très content de vous retrouver sur ce jeu et quand je regarde cette île, finalement les couleurs reviennent petit à petit. J'aime bien l'idée. Bon alors, aujourd'hui, ce monde nous attend là, le temple Kiwano, avec 3 étoiles, donc ça va y aller. Je vais juste regarder combien j'ai de tâches blanches, 75%. Ouais, à mon avis c'est un chiffre rond, donc c'est il manque un événement pour pouvoir avancer. Donc je suis un peu dans le noir, je suis désolé. Donc du coup j'aurai mon écran qui va refléter mes couleurs. Parce que j'ai plus de batterie sur mon gamepad, du coup bah j'ai dû sacrifier la lampe. Alors, oh là là, c'est fini, je sens l'odeur d'une étoile de couleur. Et sache que mon nez ne me trompe jamais. Évidemment il fallait qu'elle se trouve derrière cette porte, c'est bien notre veine. Le sol et les murs sont tapissés de piquants. Ouais, j'avoue, j'aimerais bien m'approcher mais je suis trop chatouilleux. Voilà. Alors, on commence avec nos coups de peinture là. Évidemment. Ça se déplie. Ah non, ça se déplie. Ouais, si, ça se déplie, mais. C'était juste pour ça. Et ça se déplie ou pas? Non, pas vraiment. Je suis comme ça. Ça change rien. Là-bas, il y a quelque chose en particulier, il y a que dalle. Je peux pas faire un truc avec ça. Pas spécialement, bon. Allez, on continue, hop. Oh là, non, je suis désolé, mais là, je suis obligé de jeter une carte, c'est pas possible. Non, mais c'est trop important, les 5 quintuples marteaux, là, c'est vraiment trop fort, quoi. Trier. Je suis obligé de le prendre, celui-là. Voilà, hop. Allez, montons. Oh, regardez, il y a un... Oh, c'est monstre, mais je les connais. Oh là là. Attendez. Permettez-moi de traverser ou pas. Je vais faire un truc du genre. Allez, tombe. Ok. Ok. J'ai tout cassé. Oups. Bon, au moins, on va pouvoir traverser la zone de piquant maintenant. J'avoue, ça se fait trop pas. Mais alors, j'ai pas loupé une tâche blanche, quand même. Non, c'est fait exprès, à mon avis. Non, ok. Donc, à mon avis, on va devoir utiliser le découpage, là. Ah non, même pas. Même pas. Trop facile, ce jeu. Donc. Ok. Où est-ce que ça nous emmène, tout ça? Ah mais si, parce que là, je vais pas pouvoir utiliser le... Il y a un truc à faire encore. Faut que je monte dessus. Alors déjà, on va faire ça. Voilà. Ça m'énerve, il y a trop de cartes. Il va falloir que... Ouais, allez, vas-y, prends la carte plot, là. Ok, examiner. Je n'ai jamais vu de porte qui donne aussi peu envie d'entrer. Sacré piquant. C'est sûrement très efficace contre les démarcheurs, cela dit. Ah, ah. Ouais, non. Mais il manque un pic. Oh! Ça fait trop mal! Je me suis pris un 12 de dégâts là, mais il manque un pic. Alors attendez, parce qu'à mon avis, il y a un bidule à faire. Non, peut-être pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec ça. En mode découpage. Et là-bas, c'est pareil, il y a la tache blanche que j'ai pas réussi à avoir. Non, ça ne sert à rien d'aller plus loin, il n'y a rien d'intéressant là-bas. Ok. Tiens, on va essayer de dégommer eux. Ah mais attendez, j'ai pas un pic quelque part? Je me rappelle, faut... Oh. On utilise le bloc pot, vas-y. Ok, et au cas où, un marteau normal. Vas-y, sélection prête, on y va. Bloc pot, comment ça marche?
Bon. Ce n'est pas une réussite. Mais c'est pratique. Cela dit, c'est ultra pratique même. J'ai envie de t'induer. C'est très chiant. Ok. Bon, j'ai mis un saut normal au cas où. Allez, on voit. Parce que ça va pas... Ouais, ça va pas toucher. Ok, c'est bon. Voilà. Très bien. Bonus parfait. Parce qu'ils m'ont pas touché. Est-ce que... Attendez, je vais sortir du niveau. Sortons du niveau. Alors déjà, ça fait... Je ne sais pas combien de temps, mais je suis déjà bloqué sur le premier niveau. C'est 7 minutes. Il y a un holo pitch. Par contre, ouais, je vais y aller parce que... Alors, je crois qu'il faut tous les récupérer. Vas-y, l'holo pitch. Holo pitch. Ah, c'est trop bizarre, ce truc-là. Genre, oh, c'est rose. Parce qu'il y a l'holo pitch. L'holo pitch. Where is it? Where it is? Où je le trouve, en plus, dans tout le monde? Il est là. Yeah! Holo pitch 2. Cher Mario, j'ai assisté à un spectacle terrifiant. Depuis le bateau volant où je suis retenu captive, un affreux engin noir a été largué au-dessus de la crête ensoleillée. La minute d'après, le paysage était entièrement recouvert de peinture noire. Bowser s'est contenté d'admirer les inimaginables dégâts causés en riant à gorge déployée. Qu'apparemment ravi de son forfait. Car ça ne peut être que lui qui en a donné l'ordre. Sauvez-moi des griffes de ce monstre, Mario. Princesse Peach. Tout ça pour ça. Bon, de toute façon, il faut les récupérer, donc Oui, on va sur la carte du monde. On va peut-être faire le truc vert, en fait, tout en bas, parce que... J'arrive pas à voir comment je peux accéder à la suite. Ah! Après, ok. Non. Ok. Donc. Ça, c'est nouveau. Je ne m'attendais pas à ça. On va l'utiliser un 5 marteaux sur sa face. Tu dégages. Ok, bonus parfait. Il restaure les couleurs. Hein. Ouf. 300 pièces. Non mais on a trop de pièces dans le jeu. Ok, bon. Du coup, là, c'est vrai que je suis un peu... Je reste quoi? Donc on va partir là-bas. On va partir là-bas. Tant pis, on change de plan. On part sur la forêt verte. Parce que c'est plus beau. La boîte de bonsaï. Bonsaï. Alors... C'est toujours énorme par ici. Question magie, il faut avouer qu'il se débrouille, le Kamek. Hein. Oh oui. Oh oui. Et c'est toujours aussi rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. Il y a un Toad, là. Toad vert. Quand j'ai vu ce masquage, je me suis dit qu'il c'était pas bien grave, mais c'était rien qu'un masquage de plus. Et là, il sort une paille. J'ai cru qu'il me laisserait tranquille si je faisais semblant d'être un arbre. D'habitude, ça marche, hein. Mais cette fois, il ne s'est pas laissé avoir. Il va peut-être falloir que je reprenne quelques cours de comédie. Et sur ce, je file. Salut. Allez, dégage. Et toi à l'abri, petit Toad. Tu n'es pas en sécurité ici. Oh, regardez, il y a une espèce de... navet, là. Betterave, je ne sais pas trop. Je crois que c'est un... Un navet, je ne suis pas sûr. Oh, un maxi-saut. Je suis le chef de l'équipe de sauvetage jaune. Mega et moi, on est là pour t'aider dans ton aventure, Mario. Enfin, c'était le plan, en tout cas. On nous a apporté que ce gros navet bloquait ta progression. Alors, ni une ni deux, nous nous sommes mis en route. Mais je suis là depuis un moment. J'attends toujours mes 11 gars. Pas sûr qu'ils aient bien compris les instructions. 11. Si jamais tu tombes sur eux, tu veux bien me les envoyer. Ok. Watcha. Oh. Ok. C'était le niveau le plus court du monde. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était bon, bah voilà. Trop facile ce jeu, trop facile. Vas-y, on prend les pièces. Les couleurs, on a déjà tout. Hop, je prends quand même. Et j'ai tout pris. Bon, ben...
Ah ouais, ça débloque un autre truc ici. Ok. Donc l'équipe de sauvetage jaune qu'il va falloir aller retrouver partout. Donc là, c'est le numéro 3. Et là, on a un nouveau niveau. C'est quoi? La café curie. Oh, allons-y. Allez, on y va. Rien à faire. Mais du coup, c'est pas du tout linéaire. Parce que regarde, il faut qu'on trouve là les Todd jaunes dans les mondes pour les ramener à l'autre ancien. Et ça, j'aime beaucoup faire ça. Oh. Donc on revient dans un aspect un peu plus... truc. J'ai pas le mot. Jaune. Un peu plus désertique. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Désertique. Non, y'a rien de particulier, je peux tout casser. Casser. Ouah, ouah, ouah. Non, ça se casse pas. Mon dieu. C'est la fin du monde, là. Ah, c'est... T'as vu ça, Mario? Encore une tache blanche gigantesque. J'aime pas beaucoup ça. Eh, mais ce serait pas un des Todd en plein milieu? Ah, mais si, c'est une équipe. Je colore. Parlez. Ah oui, regardez, c'est un des Todd de l'équipe de secours. Ouais, ça, c'est la vie. En fait, t'as pas spécialement le coquin à secourir, là, tout de suite, pas vrai? Non, parce que c'est pas mal, ce que tu fais. Faut que tu continues, longtemps. Rassurez-vous, monsieur, je n'ai pour l'instant pas d'autre mission que de vous sauver de la chaleur cruelle de l'astre du jour. Bah, si. Cela dit, je crois que vous aviez choisi le forfait de 3 heures, et on dirait bien que le temps est écoulé, fini. J'espère que vous avez apprécié la prestation, et je vous invite à faire à nouveau appel à nos services, sur réservation uniquement. Oh, toi numéro 5 de l'équipe de sauvetage jaune au rapport, il est temps de rejoindre le capitaine du bois bonsaï, pas un instant à perdre. Ok. Salut Lastico, tu es venu jusqu'ici pour voir mon café, c'est ça? Tu m'étonnes. Par contre, si tu comptais t'asseoir, faut pas rêver mon coco. Je peux éventuellement te libérer un coin sur le bar à l'arrière dans 3 ans. Blague à part, faut bien le dire, le café curie a l'ouragan en poupe. Faut dire que je rechigne pas à la dépense. Tout le monde a pas un authentique astre céleste dans sa déco. Un authentique astre céleste, ça serait pas une étoile de couleur par hasard? Dis donc, boss, y aurait pas moyen d'y entrer un peu plus vite dans votre café? Mettons que Mario joue l'éventail gratos pendant une heure ou deux? Laisse tomber, Elastico. Si je commence à faire une exception parce que c'est Mario, c'est la porte ouverte à tous les Fennecs. J'aurai pas le temps de dire ouf avant de voir appliquer Luigi, la princesse et toute sa clique de Todd. Même pas en rêve. Et de toute façon, je n'ai pas le temps de le tromp, ma sœur, que j'ai réservé pour l'après-midi, devrait plus tarder. J'ai besoin d'air. Ok, alors du vent. Bon, ben, je crois que c'est clair. Allez, viens, Mario, on va devoir trouver un autre moyen. Juste avant... J'aimerais voir s'il n'y a pas des tâches cachées. Alors déjà, il y a ça qui est caché. C'est très perturbant, cette espèce de gros truc. Yeah! Un saut miteux 5. Cool. De voir ce gros truc blanc en plein milieu, là, c'est vraiment très perturbant. C'est bien fait. Non, j'ai postillonné. Pardon. J'étais postillonné dessus. Alors, du coup... On va monter, hein. Parce que là, on n'a pas le choix. Ouh, la caméra! Go, 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 on remonte. Ok. Je vais tout de suite repeinturer ça. Parce que sinon, je vais l'oublier. A mon avis, dans la caverne Indigo, il me manque un truc dans le genre. Si tu veux mon avis, on n'est pas prêt de pouvoir utiliser ce tuyau. Il a l'air plein de sable. Oh, va falloir aspirer ou un truc comme ça. Donc, ok. Il va falloir aspirer ou un truc comme ça. Ok. Non. À mon avis, personne n'entrera tant que le boss est en vacances. Donc il va falloir... Ouais, utiliser... Ah non, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux utiliser pour qu'il y ait plein de sable? Bah, en fait, je peux rien utiliser là parce que j'ai pas le... Il n'y a pas les pointillés pour mettre une carte truc. Et comment on fait? Je ne pense pas qu'on ne pourra obtenir l'étoile de couleur tant que le boss sera en vacances. Tant pis, on viendra plus tard. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je peux pas revenir aller. Non, je peux pas revenir sur la map monde en appuyant sur Star. D'accord.
Vas-y. Bon bah on va partir parce qu'apparemment on veut pas de nous. Et bah dis donc, ils sont pas très gentils par ici, hein. Elle est sur la carte du monde. Il nous manque un Twomp. Il y a l'os qu'on pourrait peut-être essayer d'aller... Eh mais c'est... Ok, une grosse tasse blanche. Parce que là on commence à avoir plein de trucs partout là. Genre là c'est l'équipe de sauvetage, là c'est la grosse pièce. On va aller là. On va aller là, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Mais en fait, ouais. Je suis pas très avancé là. On va voir si je peux pas lui donner l'eau, c'est que ça rappelle sa champinette. Champinette. Non, ça sert toujours pas à quelque chose de précis. Non, mais ça doit servir, mais pas tout de suite. Ah, je peux pas mettre genre... Ah si, regardez. Il y a un truc à faire. On va mettre l'os. Ah, c'est bien ça. On va y mettre l'os. Je le savais. Alors, il est où l'os? L'os... L'os ou la mouée? Il est où? Non, non, non. Il est là. Ouh, hop, mon peinture. Et voilà. Je le savais qu'il y avait un truc à faire avec l'os. C'était sûr. Ouh, ouh. Mais elle est énorme, quoi. Il lui a même roulé dessus. C'est violent! Mais il se fait maltraiter, le Toad! Oh misère, le professeur vient d'être broyé par cette horrible créature géante. Il était déjà assez mal en point comme ça. Mais qu'est-ce que vous allez inventer? Vous ne voyez pas que c'est ma champignette adorée? Ok. Mon très cher Mario, je ne te remercierai jamais assez. On dirait que ma champignette est un peu trop grande pour continuer à vivre ici, mais je suis heureux qu'elle soit revenue une dernière fois. Me ferais-tu une dernière faveur? Assure-toi qu'elle a toujours un grand espace où elle puisse jouer librement. Où qu'elle soit, je penserai à elle tous les jours. En fait, j'ai un petit cadeau pour vous, c'est la moindre des choses, après tout ce que vous avez fait pour moi. Ah! Ah, ça y est, j'ai compris. Le pic, mais oui, c'est celui qui manquait dans la porte pour le temple... J'ai plus le nom. Kowazawana. Copacabana. Alors, où en étions-nous? Ah oui, on a fait le petit cadeau pour toi, ça t'intéresse? Un collègue du site de fouille a trouvé ça, il s'apprêtait à le jeter, mais je suis sûr que ça pourrait intéresser quelqu'un. En tout cas, c'est pointu comme un piquant de hérisses. Alors, gare à tes pattes. Ouais, ouais, piquant. Oui, oui, évidemment, évidemment, tout se décante dans ma tête. On va voir avancer. Oui, c'était donc ça. Au moins, on a pu découvrir plein d'autres niveaux. C'est bien. C'était ici. Bon, allez, vas-y, je commence le niveau. On verra bien où est-ce qu'on en arrive. Parce que Kiwano. Kiwano. Parce qu'il est quand même déjà 20 minutes. Bon, voilà. Alors, go. Ouais, je veux y aller. Donc il nous faut le piquant pour mettre là-dedans et puis voilà. Tout se passe bien, qui finit bien, qui par contre ici... Faudrait que j'arrive à monter. Bah, même pas, c'est même pas la même ligne. Je ne sais pas comment c'est possible. Allez, go. Regarde ce trou, on dirait qu'il manque une pointe juste là. Je suis sûr que le piquant que le professeur t'a donné rentrerait pile poil dedans. Piquant. Ouf. Oh. Oh. C'est tellement de mister. Yeah. Alors cette pointe était un véritable piquant de hérisse. Oh, tu sens ça? Papa arrive, ma petite étoile. Bon, vous êtes prêts? Oh my god. Oh my god, that's different. Non. Look at that face. Alors, tu... Non, tu m'envoies pas des... Oh, on va allumer les flux. Oh, j'ai envie de tout colorier. Ok. À mon avis, de toute façon, faut le faire.
Il faut au moins colorier les flammes pour pouvoir accéder aux suites. Je suis plein. Par contre, voilà le nombre de marteaux feu que j'ai. Et elles bougent les carapaces. Ok, je reprends ça, si tu vous permettez, messieurs, madame. C'est un pot. C'est un pot? Oui, oui, j'ai mis des fleurs dedans. Ah, c'était drôle. Ah là là. Et normalement, ça va activer un mécanisme, non? Ouais, c'était un vrai pot, là. C'est pas une carte. Vas-y, bon, tant pis, la fleur de feu, je suis désolé, mais je commence à être un petit peu à court de beaucoup de choses. Oh. Non! C'est quoi cette arnaque? Ok. Ok. I understand. On va utiliser tout de suite la fleur de feu. Yap. Allez, go, go, go. Ça a one shot donc. Vu qu'on utilise le feu et puis contre le papier, c'est fin. Watcha. T'es sérieux là? Non, je veux pas savoir. Je avoir une troupe de je sais pas quoi qui me poursuit, ça c'est. Non, c'est pas gentil en vrai. Alors. Ok. J'ai obtenu une peau. T'as du pot? On va tous les faire aujourd'hui, je suis désolé. Ça, on va tous se les taper. Il y a énormément de taches blanches dans ce niveau. Il y a énormément de taches blanches dans ce niveau. Bacha! Bacha caramba! Ok. Ok. C'est bon, je... Non, je m'en vais, vous inquiétez pas. Je passe juste ici. Ouais. Alors, on va utiliser beaucoup les pots, à mon avis. Vu tout ce qu'on a... On nous donne comme... bloc. Enfin, comme carte pot. Là. On fait ça. Comme ça, on va pouvoir monter dessus. Voilà. Ok. Il y a un cœur là-haut. Ça m'arrange. Oh, un petit cœur, il est tout petit. Ah, mais regardez tous les blocs pots. Non, mais je vais les prendre parce que... Je suis arrivé à la grosse feinte, là. On va enlever ça, les quick-quick, là. Hop, hop. Oh merde! J'ai pas vu que c'était les pics. Du coup. For what? Ok. Non! Ça sent les cornichons en plus. Pourquoi ça sent les cornichons? Oh, j'ai eu un hérisse. Ça s'appelle comme... Putain, franchement, je suis choqué que ça s'appelle comme ça. Ah, par contre, là... Vas-y. On va les faire parce qu'il faut que je peinture le en dessous d'eux, alors... Ok. Et donc là, du coup, je vais pouvoir... Non. Colorer ceci. Ah, ça va mieux. Voilà. Là, j'étais en stress... Pas de stress, il y a un point S. Et maintenant, on les écrase tous. En fait, j'aurais pu très bien faire ça et les écraser tous après. Mais je suis bête. Comme le port salut. Rien à voir. Rien à voir. Ok. Non, non, c'était bien, là. Maintenant, je peux monter. Je peux sauter sur le rond. Voilà. Et je peux repeindre ici. Pour avoir un saut de fer. Il n'y a pas plus faire. Repeindre le pot parce qu'il est trop beau. Voilà, un saut de fer pour pouvoir tuer des carapaces man. Carapace. Ok. Ok, donc ce niveau va être un peu plus long que d'habitude. Oh non, pourquoi j'ai fait ça? Je sors. C'est bon. Et je rentre. Ouais, si j'aime... Ouais, il risque d'être un peu... Cet épisode pur de... Oh non, je suis déception. Je suis trop... Mais non! Oh, c'est dangereux comme zone. Voilà.
Ok, bon. Je suis un peu déception là parce que j'ai. Ah, attendez, il y a juste. Kamek! Il va m'enlever toutes mes cartes? Oh non, bitch. Non, tu arrêtes. Non, tu fais pas ça. Non, non. Touche pas mes cartes! Ah, c'est salaud ce qu'il a fait. Je vous montre. J'essaie de vous. Oh, attendez, parce que. Pardon, micro. En fait, il a mis toutes mes cartes en rouge, vous voyez en bas. Et je sais pas ce que j'utilise. On va utiliser ça et puis ça. Peinture terminée, vas-y. Hein. De toute façon. Là, j'ai pas trop le choix. Hein. Je sais pas ce que j'utilise. Ok. Oh. Ok. Pourquoi pas. Bon, bah, j'ai même le sortilège dissipé. Bonus 300, j'ai 15 millions de machins, c'est pas grave. Oh, mon Mario, mon Mario. Mon Mario, il évolue. Mon marteau, il évolue. 280. Yeah. C'est bien. Non, mais c'est très bien. Du coup, on va pouvoir aller là-dedans. Là, 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 là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le découpage, donc à mon avis, ça va pas tarder. Enfin, non. Non, mais c'est bon. C'est... Pas besoin non plus de sauter dessus. Ah, dans le découpage, dans le sens où... Yep. Allez, lui, on va le défoncer. Et tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Oh, on va prendre tout. Ah merde, je suis tombé de l'autre côté, j'ai pas vu. Ouais, j'ai bien fait de le tuer parce qu'en fait, ça aurait été tellement la merde. Parce que là, il faut que j'attende le bidule qui bouge. Et j'aurais été enquiquiné par lui qui m'enverrait. Bah comme on voit au fond. Voilà. T'as plus de mal là, hein, Coco. C'est bien parce que si ça aurait été trop vite, j'aurais pas réussi. Regardez là, il y a un Goomba qui m'attend. Oh, bitch. Le pli, il m'a. Mais non! Ça se fait pas! Ah, c'est bien. Au moins, ça reste. Ok. Ok. On n'est pas pressé, hein. Wouh! 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 Tu vas le faire à chaque... Oui. Je trouve ça rigolo. Mais non, mais c'est cheaté! Bon, je suis obligé de le faire. Ok, bon, on aura la paix au moins avec lui. Yeah! Alors, il faut repeindre... Oh là, ça va être compliqué. Yeah! Oh non, ça devrait pas être trop compliqué. Tu vois? C'est pas compliqué. Il suffit de... Prendre son temps. No stress! Ok, je sauvegarde. Et pourquoi je suis venu là, en fait? Pour ça. Sauf que... J'ai peur. Il y a une sauvegarde, donc à mon avis... Oh Mario! Let's be friend! Ok. Attention Mario, ça va? Je vais te remonter. Oh Is! Ok, d'accord, j'ai un peu compris. Piouf, t'as eu chaud. T'es pas passé loin du game over. Heureusement, je t'ai rattrapé. Oh là là, je vois venir ce qui veut nous attendre. Hé, regarde là-bas. Il y en a deux. Une petite étoile de couleur. Hé, il y en a même deux. Une en haut, une en bas. La chance. Mais elles sont trop loin. Comment on va faire pour les récupérer? Oh. Ah, la lave, elle monte. Ça sent le roussi. Ok, là, ça devrait avancer. Ah ouais, d'accord. Ok. D'accord. Ouais, non mais... C'est des fous, là? C'est chaud, hein? Enfin... C'est un jeu de mots. Oh my god. Et ça passera jamais, hein?
Watcha. Oh merde. On va perdre. C'est impossible. Avance. C'est mort. On y était. Elle était là. Eh mais c'est dur hein. Game over. Mais oui mais les trucs ils apparaissent trop tard. Trop tard. Bon, on va le refaire juste avant et après on se quitte parce qu'on me semble on aura une étoile quand même. C'est bon. Ah bah non. Je vous félicite d'être arrivés ici tous les deux, toi et le petit moustachu et toi la boîte de conserve. Qui aurait cru que vous seriez capable de résoudre les énigmes du temple? Pas moi, c'est sûr. Maintenant que vous êtes là, je vais m'occuper personnellement de votre cas. Cet imbécile de hérisson m'a piqué au vif. Écoute-moi bien, langue de vipère. On est venu récupérer cette étoile de couleur et c'est pas toi qui va nous empêcher. Il n'en est pas question, cette étoile est à mon clan, elle est à nous. Ces bouts qui si pointus, si piquants, je n'ai jamais vu pareil. Vous ne poserez pas vos sales pattes sur notre trésor, il ne bougera pas d'ici. Je vous laisse le choix, soit vous vous jetez dans la lave, soit je m'en charge moi-même. Très bien, donc un petit combat de boss. Alors on va y aller, pas de main morte, moi je vous le dis. On va se mettre en double... saut pointu, là, saut de fer. Ok. Merde. Ok. Maintenant, on y va pour les marteaux. 5 marteaux. Qu'est-ce qu'on a comme truc assez pété, là? On n'a pas des trucs pétés? Marteau chaud, vous pensez que ça va faire... Ouais, allez, on va tester. Vas-y, on y va au marteau. 5 marteaux miteux et un marteau chaud. Ouh, mon bureau il grince. Ok. Ok. Ok, ça va, j'enchaîne des excellents et des super, c'est plutôt bien. Je me surprends. Oh là, c'est un bien. Un super de feu. Très bien. Et il va ressortir, ouais. Ok, ça me laisse le temps de refaire un truc comme ça. Et un marteau dans le genre. Ok. Ça servait à ça, les pots. Ça tape vraiment fort, hein, le... Ok. Ça me laisse le temps d'agir un tour. Pour l'instant, il est encore... On va tester des fleurs. Ah, puis un marteau comme ça. Ouais, j'ai pas jamais testé le marteau de fer. Le marteau de fer. Go, go, go! Je crois qu'en fait, il va mourir comme ça, non? Ah non. Bim! Eh, il lui reste un tout petit peu. On voit la pointe de son truc. Ok. Allez hop, on va faire ça. Fleur de feu encore. C'est trop pété la fleur de feu. Franchement, ça a toujours été pété dans les Mario et... Je trouve que c'est vraiment un des pouvoirs les plus pétés. Voilà. C'est gagné. Bonus parfait. Non mais j'ai fait un bonus parfait sur un boss. C'est une suite. Bon, c'était pas un vrai. Oh, si, c'était un vrai boss. Bon, moyen. Ah, c'est comme ça qu'on a l'étoile rouge. Bon, on va d'abord prendre la jaune. Mais l'étoile rouge, d'accord. En fait, il faut attendre et après, on repasse directement sur la plateforme pour descendre. Et puis, en même temps qu'elle descend, on saute. Je pense que c'est ça. Ça m'étonnerait pas. Oh, des cœurs. Ok! Ok, non mais c'est bien. Et du coup, on a atterri où? Ah, le Colisée. Et à mon avis, la grande étoile jaune va être là. Je suis pas sûr, mais j'ai un doute. Ça veut rien dire. 89%. Ouais, Colisée d'or. C'est bien ça, la grande étoile jaune est ici. Prévisible. Prévisible, mais bon, c'est pas grave. Non mais c'est bien. Et du coup, là-bas en haut, ça sera la orange qu'il faudra.
Il y a jaune, orange, vert, bleu, rouge et violet qui va être en bas à gauche, j'imagine. Bref, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode qui est déjà assez long comme ça. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé, nous on se retrouve très vite pour la suite. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine, ciao.